L'actualité en 20 minutes. Merci. Vous pouvez rejoindre nous pour une langue créole. Aujourd'hui, les 21 mois, nous guettons un titre. Maurice, une classée pays plus erré dans l'Afrique subsaharienne, selon Rapport mondial 2023, le Bonaire. Maurice, 49e dans les mondes. 2023, c'est l'année stabilisation pour roupie mauricienne. Selon ministre Finance, ça peut permettre contrôle et que stabilise l'inflation et qu'aussi contrôle prix ban produit. Comment pour faire pour qu'il pas manque des lots dans Maurice? Ban autorité, une fait un séminaire pour discute et propose ban solution lors sa problème là. Nous pour faire le point dans nos journal. Et que déo dans Mozambique, il y a presque 10 000 cas choléra après passage cyclone Freddy. 16 mots pour l'instant. Bonsoir à tous. Maurice, c'est pays qui plus erré dans l'Afrique subsaharienne. Selon Rapport mondial 2023, l'Obonné. Selon ce rapport-là, Maurice est classé 49e, le 137 pays. Ça, l'indice 2023-là, il est bien différent parce qu'il y prend compte ben, l'information entre 2020 et que 2022 pour faire ce classement, une période de COVID et que la guerre en Ukraine. Nous fait le point. Maurice est pays plus heureux dans région Afrique subsaharienne selon Rapport mondial Bonheur 2023. Sa classement l'a enfin dévoilé hier à l'occasion célébration Journée internationale du bonheur. Sa l'indice-là est publié depuis 2012 par Réseau des solutions de développement durable à Nations Unies et qu'il fait classement ban pays en fonction PIB par habitant, l'espérance de vie, la santé, liberté dans choix de vie et que générosité entre autres. Ça l'indice là, selon Nations Unies, capable aide un gouvernement à créer ban conditions propices pour bien-être de sa population, ainsi tout ban politique en matière d'aide, dépenses, fiscalité ou bien réglementation capable être évalué en termes impact le bien-être. Selon ban auteur Sarapola, ban dépenses sociales conduisent à un bonheur plus élevé, en particulier dans un pays qui a un gouvernement efficace. La Finlande est en tête de ce classement-là pour 6e année consécutive, suivie par Danemark et Islande. Pareil comme dans ban les autres pays, dans Maurice aussi, finit une augmentation prix. Avec ban défi post-Covid et conflits entre la Russie et l'Ukraine depuis plus qu'un an, prix ban matières premières, fret et l'énergie fin bien augmenté. Alors, qui dans Maurice, 70% ban affaires qui dimoun consommé sauti depuis des hauts, pays peut faire face à ban l'effet l'inflation importée. Et pour soutenir ban consommateurs, gouvernement il prend ban mesure. Par exemple, tient injecté 15 millions de roupies dans dernier budget pour aider ban famille. Dans sa supermarché Pointe au Sable, plus que 80% des produits qui sont installés dans ban l'état sont importés. Le prix dépend beaucoup le coût à l'importation, qui lui-même dépend de plusieurs facteurs. La guerre dans l'Ukraine et que l'effet pandémie finit largement impacté l'importation. Résultat, une montée de l'inflation. Il y a quand même une forte inflation importée. Nous avons des produits qui nous importés, surtout des produits de consommation. Pas oublier qu'ils sont 10 à 75% de nos produits de consommation importés. C'est pourquoi ça nous a augmenté. 70% nous avons l'importation payée en dollars et même 20% nous avons l'importation payée en euros. Avec sa nouvelle réalité-là, consommateur est prudent. Avec cela, la commission il prend ce temps et surveille ce bon achat. Bien faire tout le temps attention, pas qu'elle dépense plus. Au contraire, bien être dans le temps, faire d'en penser tout le temps, bien dépenser un peu moins. Mais sinon, ça va, pour la grâce de Dieu, ça va, ça peut aller. Pour soutenir Ban Mauricien, le gouvernement finit injecter 15 milliards de roupies dans le budget des ménages à travers diverses incitations pendant le budget 2022-2023. Entre autres, une allocation 1000 roupies à Ban salariés qui sont revenus pas dépasse 50 000 roupies ou encore une augmentation 1000 à 2000 roupies à Ban pensionnés. Par exemple, pension vieillesse fin sorti 3 623 roupies en 2014, dit actuellement 10 000 roupies et 11 000 roupies pour Ban qui n'a plus qu'il 65 ans. Et que depuis janvier dernier, une compensation salariale 1000 roupies à tout ban travaillé à pays. Bizin également noté qu'il finit une introduction salaire minimum en 2018, ce qui finit contribuer à améliorer le pouvoir d'achat ban mauricien. Les revenus ont augmenté. Par exemple, nous avons l'allocation 1000 roupies dans le budget, nous avons une compensation salariale 1000 roupies. Et ça fait des 1000 roupies.
Le consommateur peut aussi compter sur une grille de prix subventionnée par le gouvernement. Le riz, la farine, le gaz ménager ou encore le pain maison lui reviennent moins chers. 6 à 7 milliards de roupies, c'est le montant déboursé par le gouvernement. À cet effet. 2023, c'est une année stabilisation pour roupies mauriciennes. Et ça pour permettre contrôle et que stabilise l'inflation dans le pays et qu'aussi prix ban produit. C'est ce qui ministre Finance India hier, après rencontre Public-Private Joint Committee dans Eben. Nous écoutons cette déclaration. Cette année-là, c'est l'année de la stabilisation de tout, en particulier de nos roupies, parce qu'il nous besoin réussir nos politiques pour maintenir une stabilité aussi des prix. Nous arrivons dans cette période-là, à part qu'il y ait une inflation importée, nous les limite l'inflation au niveau local. Donc nous pouvons travailler là pour que l'inflation qui est assez élevée l'année dernière, qui cette année-là est un peu moins, pour une bonne reprise économique, pour une bonne forte hausse, tout ça, mais pour nous qu'on ajuster, parce qu'après la crise de 2020, nous devons être bien. Tout nous donne un indicateur de comment nous sommes capables de retourner dans une évolution plus stable de nous l'économie. Dans le cadre 55e à l'anniversaire de l'indépendance, la Banque de Maurice pour donner des bons du trésor, c'est un bon de maturité un an et deux ans. Et que le taux d'intérêt, c'est 4,6% et que 4,75%. C'est à partir 3 avril qui pouvant saban bon là à ban mauricien, ban compagnie et ban organisation non profit et qui ont registré dans Maurice. Maurice in récemment fait face à la sécheresse qu'on a connue. Alors ce qu'on a pour faire pour qu'il pas manque d'eau dans le pays, ban autorité in fait un séminaire dans Pointe Piment pour discuter et propose ban solution fiable l'eau sa problème là. C'est une rencontre dans le cadre de zone mondiale d'eau. Qui pour faire des mains. Plusieurs projets pour assurer qu'il y ait une durabilité de l'eau dans le pays, fin mettre en place par le gouvernement. Pénurie de l'eau, c'est un problème que le pays fin faire face pendant le mois octobre jusqu'à décembre 2022. Pluviométrie, zamiti comme ça auparavant. Capable de dire que c'est une période bien sèche que le pays fin faire face et que ban autorité pan reste indifférente à sa l'effet changement climatique là. Depuis contrôle, distribution de l'eau dans un espace public, industriel et commercial, jusqu'à remplacement d'un tuyau abîmé à travers le pays pour éviter gaspillage, ensuite d'une installation de la pompe de l'eau dans la rivière, plusieurs projets sont mis en place pour que le public soit capable d'avoir accès à cet élément qui est indispensable pour la vie. Aujourd'hui, nous devons revoir la façon que nous utilisons de l'eau dans nos pays. Nous ne sommes pas capables de fier de l'eau la pluie, nous devons capables guettent les autres systèmes de production de l'eau. Déjà, en ce qui concerne nous, la rivière, nous avons là actuellement une cinquantaine de ce qu'ils nous appellent ban filtre à pression, quand nous pouvons pomper de l'eau, nous pouvons injecter dans nos systèmes. Mais on dit aussi qu'il nous ban centrale hydraulique qui servit de l'eau pour produire courant. Nous pouvons servir ce ban de l'eau là aussi, nous traiter et nous injecter dans le réseau afin qu'il nous améliore la distribution de l'eau dans le pays et nous rendons plus efficients aussi dans le secteur de l'eau. Après qu'il y ait une consultation fin faite avec un expert, le ministre Joe Légongor dit qu'un nouveau projet de loi, Water Resources Bill, pour introduire à la rentrée parlementaire pour assurer qu'il gagne une durabilité de l'eau dans le pays. Jusqu'à aujourd'hui, 99% de la population du pays gagne accès à l'eau potable. Et puis, sa nouveau arrestation-là, dans le cadre de l'enquête LICAC, l'ON Réseau Blanchiment d'Anzan, qui implique Jean-Hubert Sellerin, alias Franklin, ban officier commission anti-corruption, fin interpelle l'homme d'affaires Khalil Ramoli en fin d'après-midi. Après son audition, elle était recensée depuis hier. Et il fin al dans quartier général LICAC en début d'après-midi, accompagné par ce ban homme de loi, maître Raouf Goulboul et aussi Richie Edouyal. Khalil Ramoli pour passer la nuit en détention policière. L'idée a fin faire l'objet ban poursuite LICAC dans des les autres cases blanchiment d'Anzan.
me retrouve-vous après sa réclame. Communiqué de l'Autotech, le jackpot du loto de ce mercredi est à au moins 5 millions de roupies. 5 millions de roupies à remporter. L'Autotech vous souhaite bonne chance et vous rappelle que le loto est exclusivement réservé aux adultes. Salut, bonjour, qui manière? Qui vous peut faire? Moi, me bien, merci. Comment vous pouvez trouver mon fort? Parce que là, je suis la croisée, quand le métro passé et que si les autres véhicules et les traversé. Qui me fait là? Je peux expliquer qui est une précaution. Je vais prendre le temps de traverser sa qualité, la croisée là. Avant tout, je vais comprendre les différents parties à l'environnement là. Nous commençons avec ça. C'est même métro, ou si vous voulez, réel métro, qui veut dire qu'il seulement métro passé dans là. Pas où? On n'a pas mangé le réel. Vous n'avez pas mon bicyclette, Laurel. Ça règle là, zis pour métro. Nous correctons là? Nous d'accord? Attends, chauffeur rodéo, hein? Oh oh, respect. Coup d'FM. La MBC donne ce rendez-vous pour célébrer l'indépendance, le Coup d'FM. 6h à 9h. L'équipe Rise Up met Dieu dans la joie. Mais oui, ça même, c'est l'ambiance qui nous est nain. L'eau coule FM, bien sûr, l'OMBC, ça l'équipe à nous présent tous les matins avec tout nouveau ban rubrique, avec tout nouveau ban jeu qui vous pour gagner un tas cadeau. Si vous avez les bonnes réponses pour les questions, inscrivez-vous au maximum tous les jours. On sera d'ailleurs en direct sur la page Facebook de Cool FM MU. C'est tous les matins. Cool FM, plus qu'une radio. Dans l'espace des semaines, des petits bébés, ils m'ont tout fait avec un contenu dans l'estomac après qu'ils ont une boîte d'îlée dans le biberon. Justement, est-ce qu'il est dangereux si vous mettez enfants là allongés quand il fait que finit boîte d'îlée? Qui capable provoque la mort un bébé si vous m'a fait qui s'ose? Bonne réponse dans sa reportage là. Sazan, madame là, une vine maman pour la première fois. Un moment rempli avec la joie. Mais côté n'a aussi beaucoup de questions. Vraiment, c'est un grand challenge pour une maman la première fois. C'est pas facile du tout pour handler un bébé comme ça tout seul. Mais ici, j'ai beaucoup d'advice. Tout le nurse ici, banane bien aide-moi, banane help-moi comment pour faire bébé boire. Banane advice-moi beaucoup comment pour bien faire bébé boire avec moi-même. Mais tout ça, c'est bien, bien important parce que là, aujourd'hui, je vais gagner des charges, je vais à la maison. Tout ça, j'ai advice ça pour help-moi beaucoup. Il disait que sa baba Witzoula fait boire ce dilé. Après ce biberon, toujours c'est ban même l'habitude, faire les tiers au gaz avant qu'il mette les dormis. Quand je bois, nous faisons make sure tous les temps les tiers au gaz bien. Si pas pour tiers au gaz bien, il pourrait jeter. Au moins 10 minutes. Nous tiers au gaz, là nous posons. Ça aussi nous pas posons, dormis, allongés. Même tous les temps nous montrer ban maman. Comment finir faire boire, je besoin faire ce bébé allongé. Pas le ventre. C'est pour vomir, pour aspirer ce propre gilet. Dans l'espace des semaines, des tibaba 3 mois et des mois, ils décédaient à cause d'un contenu qu'ils tiennent dans l'estomac. Ban cause en lambeau subite un tibaba, dans la plupart ban cas, pas récit connaît qui faire, mais ils quand même identifié ban facteur de risque. Strictement interdit de mettre des bébés dormir sur le ventre ou sur le côté. Qui fait ça parce que quand on met des sur le ventre ou bien sur le côté, des blocs sur la voie aérienne. Donc, il y a des difficultés pour respirer. C'est un épisode de vomissement. Il y a beaucoup de difficultés pour enlever sa vomissement si sa position ventrale là, bien position sur la tête courbée sur le corps. Le matelas, bien
bien dur. Pas trop dur, mais bien dur, mais pas mou. En aucun cas, bien mou. Parce que la position du bébé, il est bien position sur le dos et bien dégagé sur la tête et à plat, complètement à plat. Au moment du rôle, souvent, des fois, le bébé rejette un tigre. Mais un petit rejet n'est pas trop grave, mais un rejet assez important. Dans ce cas-là, besoin de demander un conseil médical, éventuellement, un traitement pour ne pas avoir de problème quand le bébé dormit, tout ça. Si un baba intient ce gaz ou pas, vaut mieux attendre 15 minutes avant de mettre allongé. Si l'infect boit ce dilet, ça peut éviter baba la rejeter alors qu'il est déjà dans une position allongée. Azodi, c'est journée mondiale, trisomie 21. Il y a plusieurs activités au niveau international et national pour sensibiliser les gens à sa maladie. Dans Maurice, MBC et Sénat, il y a une association ensemble pour faire les gens qui ont sa maladie faire une visite guidée dans MBC Azodi. Une visite que vous pouvez trouver en ce moment à l'écran. Un moment, la joie pour Banla. Justement, en ce moment, comment vous pouvez trouver Banla Kifinzouen, directeur général MBC. Vous avez une visite ban différents départements et aussi ban staff de la MBC. Vous pouvez avoir plus de détails de sa visite là dans l'information 7h30 de l'OMBCN. Azodi 21 mars, c'est l'équinoxe dans Maurice et dans les mondes. Qui veut dire ça? Eh bien, Azodi, la nuit éclise cette même quantité. C'est un phénomène qui arrivait des fois par an en mars et en septembre. Reportage. Équinoxe vient depuis latin et que regroupe des mots. Acus égal, équinoxe nuit. C'est moment de l'année que le soleil est trouvé dans l'axe l'équateur. N'importe quel endroit en été, le globe, la nuit éclisou, et n'a exactement même durée. L'équinoxe vit deux fois par an. Le premier entre le 20 et 21 mars et le deuxième entre le 22 et 23 septembre. C'est aussi une position particulière du soleil en relation avec la Terre. C'est le jour où le soleil se lève exactement à l'est et il couche exactement à l'ouest. Dans les autres jours de l'année, il y a une petite déviation de l'est, une petite déviation de l'ouest. La Terre met une année pour faire les tout soleil et que ce axe rotation l'y incliné par environ 23 degrés par rapport à plan sous orbite. C'est pour sa raison là que l'hémisphère nord l'y orienté vers soleil la moitié l'année et que c'est l'hémisphère sud pendant l'autre moitié l'année. L'équinoxe capable aussi influence ban marée. Maurice, l'équinoxe est arrivé le 21 mars à 1h24. C'est le commencement de l'automne dans l'hémisphère sud et le commencement du printemps dans l'hémisphère nord. Et le nombre d'heures, de jours et de nuits, c'est pareil. L'équinoxe de mars, la Terre est plus proche avec le soleil. Elle a l'influence le vent de marée, que la marée capable d'être un petit peu plus haute que les autres marées hautes qui nous en ont pendant l'année. L'équinoxe particulièrement, équinoxe printemps, c'est une date référence pour beaucoup calendriers, Kuma dans l'Aisne et Japon. Déo dans Mozambique, quantité mots, la cause choléra est doublée depuis semaine dernière. 16 mots pour l'instant, c'est après passage cyclone Freddy. À côté, il y a de l'eau sale dans plusieurs régions et qu'un manque lisienne. Ban autorité PPE qui quantité mots capable augmenter dans ban pro-Saint-Zou. Selon UNICEF, presque 10 000 cas choléra sont enregistrés dans ce pays-là depuis commencement février. Pour l'instant, il y a un cas dans 36 districts à travers 8 provinces. Nous avons météo, prévision pour prochaines 24 heures. Capable d'un gros appli localisé dans la soirée dans l'ouest et que l'ON petit plateau central, ça va un gros appli là pour capable localement modérer. Bagnaz pour dissiper graduellement pour la suite et pour faire beau temps pendant la nuit. Demain matin aussi pour faire beau temps. Ban développement niazé fin prévoit dans l'après-midi dans l'ouest et que dans sud-ouest avec ban gros l'appli localisé. Ça ban l'appli la capave temporairement modéré. Ailleurs, les temps pour mi-couvert pour un divan depuis l'est environ 15 km par heure. La mer pour hésiter en déobrisant avec une grosse vague sud-ouest jusqu'à Demet. Et que, comme on peut trouver en ce moment à l'écran, soleil pour lever demain 6h14 et que coucher soleil 18h19.
Nous on a terminé ici. Merci pour l'attention, Madame Issier. Bonne soirée.